Wesh wesh, canne à pêche, c'est Ninjax. Voilà, c'est bon, j'ai fait l'intro. Ouais, c'était juste pour vous dire que du coup, Fléchard a un nouveau micro. Ok, c'est parti. C'est multijoueur, continuer. Wintel, allez, c'est parti, on va tester. Parce que normalement, là, on est le 1er décembre, donc normalement, il y a une mise à jour Noël. Connexion claquée au sol, je sais. Apparemment, il y a une île de Noël. On va voir les mises à jour tout de suite parce que j'ai pas vu. En fait, en même temps, il n'y avait pas de trailer, donc j'ai pas... Waouh, les gars, ça change. Ah ouais, par contre, je dois changer mes touches. Ok, Lizzie, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Waouh, par contre, le décor a l'air tellement bien. Retournez voir Lizzie. Mais wesh. Bien, te revoilà. Une nouvelle ère commence et il est temps de choisir sous quel étendard tu souhaites te battre. Les démons ont triomphé dans l'obscurité de la nuit, déployant leur puissance démoniaque sur les terres. Cependant, lors du tournoi des factions humains s'est élevé au-dessus des autres, remportant la victoire sur tous les fronts. Utilise la commande slash faction pour choisir judicieusement ta faction. N'oublie pas, une fois ton choix fait, il sera irrévocable. Que la chance soit avec toi dans cette nouvelle ère de bataille. Bon, ok, donc le tournoi des factions, en gros, si vous savez pas, c'était un petit événement que Ninjax avait fait. Bon, j'y ai pas participé parce que j'ai un wifi vraiment de merde, de mauvaise qualité. Mais dès que j'aurai la fibre, peut-être que je participerai à de futurs événements. D'ailleurs, il y a un calendrier de l'avant, tiens. C'est comme l'année dernière, en fait. C'est exactement comme l'année dernière. Allez. Donc là, vous venez de gagner une récompense cosmétique. Allez. Parce que l'année dernière, il y avait le chapeau Noël au 1. Et au final, je l'avais pas eu. Je l'avais raté, mais c'est pas grave. Donc c'est cosmétique, chapeau et voilà, le petit chapeau Noël, exactement pareil en fait. Ouais, en fait c'est exactement comme l'année dernière, sauf que je crois que c'est pas exactement le même décor, je suis pas sûr du décor, je me souviens plus trop. Bon, évidemment on est sur la V2 et genre ça m'a enlevé de ma faction. Voilà, si j'ai pris... Comment ça je suis plus dans ma faction? Slash faction. Mais j'étais dans la faction humain moi. Ouais. Oh, le son est fort. Mais attends, mais je l'avais déjà terminé l'histoire principale. Bon, apparemment, je vais baisser un peu le son. Wesh, mais j'avais déjà terminé l'histoire principale. Bon, apparemment, j'ai un wifi vraiment de merde. Je crois pas que je pourrais tester. Regardez, mes messages, ils s'affichent même pas dans le chat. Voilà, ma petite faction humaine là. L'île là, ma faction humaine. Et c'est quoi l'île de Noël? Attends, on va demander. C'est quoi l'île de Noël? Regardez, je reçois même pas. Oh, là-bas, il y a un gros sapin de Noël. Non, en vrai, je pense pas que ce soit comme l'année dernière. Non, je pense que c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Regardez-moi ça, il y a un sapin de Noël. Ça me rappelle une vieille map, parce qu'avant, je jouais sur Xbox Edition, dans les débuts de Minecraft. Ça me rappelle une vieille map Noël sur les Xbox Edition, là. Peut-être que certains ont la ref. J'aimais bien jouer sur cette map. Mais elle est où, l'île de Noël? Regardez comment j'ai crash. Hunger Games, tu vois. Ouais, mais c'est quoi l'île de Noël? C'est quoi l'île de Noël? Pas un truc utile. But you can call me Gus. Mais comment ça? Mais... Wow, ils disent tous que c'est un flop et tout. Mais vas-y, je veux voir ce que c'est, moi. Parle au Père Noël à gauche du spawn. Comment ça? Il y a un Père Noël à gauche du spawn. Il y avait Citrouillus, c'est vrai. C'est vrai que vous entendez mes clics du coup avec le micro. D'ailleurs, est-ce que vous aimez le nouveau micro? Il faut encore que je regarde un gros tutoriel pour les réglages et tout. Mais pour le moment, ça me paraît plutôt bien. Ça me paraît vraiment plutôt bien. Donc apparemment, il y a le Père Noël à gauche du spawn, donc sûrement là-bas. C'est exactement au même endroit que Citrouilleux. Voilà, le petit Père Noël, il est là. No witnesses. Direction l'île du Père Noël. Salut aventurier, es-tu... Mais... es-tu venu pour explorer l'île de Noël? Alors laisse-moi te présenter. Ici tu découvriras un village enchanteur, plein de villageois festifs. Parle à tout le monde et vois s'ils ont besoin d'un coup de main, des quêtes t'attendent. Et qui sait, tu pourrais même affronter le redoutable Jotum pour te hisser en haut du classement. Bonne exploration. Oh, dinguerie. Non, en vrai, ça c'est une dinguerie. Bon, après, apparemment, c'est un flop, apparemment. Apparemment. Ah, là, il y a des petits dragons.
sirène. Là, genre, il y a une quête. Genre, il y a plein de quêtes. Ah, enfin, vous voilà. J'ai entendu parler de vous, de votre réputation qui précède votre venue. On dit que vous êtes un guerrier. Oh là 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 là. Un guerrier intrépide, prêt à affronter n'importe quel danger. Les histoires sur votre. Oh là là. On va se mettre en mode normal parce que. Alors, vous savez quoi? On va faire une quête. J'ai même pas eu le temps de lire, j'ai la flemme. On va faire une quête et. Oh, c'est sympa. Bon, au pire, on va aller en HD, en HD duo. Et les quêtes, on va les faire en live dès que j'aurai la fibre. Ou alors, l'événement de Noël sera passé et ce sera pas grave. Au pire, je vais même pas y participer. Mode normal. Vous ne pouvez pas spammer. C'est quoi? C'est quoi cette merde? Vous voilà enfin. Ne tardez pas à récupérer votre équipement et voler jusqu'à l'île pour terrasser Jotum. Bonne chance. Jotum? Mais c'est le boss, lui. Bon, allez, on affronte Jotum et ensuite, c'est la fin de la vidéo. More moments later. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Allez rejoindre l'île en utilisant vos élytres. Oh là là, et allez tuer Jotum. Ok, 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 j'ai capté. Wow, en vrai, c'est grave stylé. Il est où le fameux Jotum? Ok, c'est lui, c'est lui, c'est lui. À l'attaque. Là. Oh. Oh là là. Non mais attendez, on va mettre le plafond. Il est passé où? Il a fait quoi? Là vous entendez mes clics, là je suis en train de spammer comme un porc. Ok. Non, en vrai. Oh, il crache des trucs. Non, en vrai, le boss, il a l'air simple. Même pas pris une gaffe, regarde-moi ça. Regardez-moi ça, j'ai même pas pris une gaffe. Une seule gaffe, j'en ai même pas pris une seule. Non, en vrai de vrai, c'était une dinguerie, mais. Wesh. C'est quoi ça? Pourquoi c'est. On a rien vu, ok? Donc du coup c'est la fin de la vidéo les amis parce que j'ai un wifi claqué en fait. Et du coup dites-moi si vous aimez mon nouveau micro en commentaire et en vrai voilà c'était une petite vidéo chill sympa comme ça. Je vais peut-être pas faire beaucoup de montage parce que la vidéo sera assez courte sinon genre 5 minutes. Voilà ciao. Nique ta mère gros fils de pute, ta daronne elle fait du sale. Abonne-toi à Fleischer, qui en est mon ennemi, c'est toi.